Aidez-nous à vous mettre en lumière. C'est le message adressé aux femmes par Euphrasie Yao Kouassi, présidente du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Plus qu'un simple réseau de femmes, le COCOFSI est un programme de développement qui continue de faire ses preuves à travers la transformation politique, économique et sociale de ses membres. On a des femmes du niveau CP2 qui sont devenues députées. On a des jeunes filles qui n'ont jamais travaillé, qui aujourd'hui ont eu leur premier emploi grâce au Compendium. On a des femmes rurales qui gèrent toute une communauté et pourtant elles ne sont pas là à l'école. Il suffit simplement de les alphabétiser pour qu'elles contribuent au développement de notre pays. Euphrasie Yao Kouassi, qui s'exprimait à la tribune Tout Savoir Sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, a appelé les jeunes filles ainsi que les femmes à adhérer massivement et gratuitement au programme gouvernemental orienté vers leur autonomisation. Le succès, c'est déjà le nombre de femmes qui ont adhéré au Compendium. C'est le fait que notre réseau puisse changer, puisse avoir de l'impact au niveau de la société. Quand je disais que le président de la CEI nous a dit qu'il n'y avait que 37% de femmes et que l'on a mis notre réseau en marche et qu'on est passé à 49% et qu'il nous a félicités, ça veut dire que ce programme a sa raison d'être. En 10 ans d'existence, le COCOFSI dispose d'une base de données composée de 17 485 femmes, dont 5 000 directement impactées par les actions du Compendium.